Allô, allô? Donc, on joue sur quelle map? Allô? Okay. Yo. Yo, bon, ouais, comment ça va marcher? C'est qu'on va faire un mat bam. Ouais, c'est good. Ça va bien, CL? Yeah. Onyx, vous allez bien? Yo, Mathis, ça va bien? Ah oui, toi. Oui. Nice. Je check les rings, je suis genre yes. Yo, salut, c'est Miskik. Change d'équipe, loading. Loading. TJ, est-ce que mon petit TJ il est là? Bon matin, bon matin. Salut TJ! Il quitte Comment les ça groupes va? pour sa cour. Ça va bien Bon matin, toi? ça commence bon bien. matin, bon matin. Bon, Ben, il manque bonjour. le skin, il manque le chef. Le groupe est Hey, chef. loading, il se la touche. Yo, Gab Lamar, change de côté. Bon, les boys. Oui. Oh. Yo, mais là, va falloir que ça change de côté entre Gab Lamar et X-Kims. Ouais, ben, ils ont juste à faire un super check. Bon, Ouais, en attendant, on va procéder au map ban. Oui. SEL, vous allez commencer à banner les trois maps. Comment ça pour changer de team, Ok, là, je te mets là? au 3. Hein? Non, 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 on va juste faire un map ban Changez-moi pareil. d'équipe! Oh, mais faut que loading puis toi un switch d'équipe, mais il est trop atteint. Loading, allô? Je vais aller lui dire, je vais aller lui dire. Ah, c'est ça, vas-y. Ah, SEL, en attendant, banner ces trois maps. On peut-tu aller se consulter? Ouais. Oh, faut que Non, t'as pas le droit. j'en Ah. Mais moi je suis dans votre team là, faut que je consulte avec vous là. Ah, ils veulent pas que je consulte. Mais non, pas gentil ça. Non, c'est pas gentil, non, là. Il n'aime pas ça. T'aimes pas ça? Non. C'est des choses qui arrivent. Bon. Moi j'aimerais rien dire une petite affaire là, mettre de quoi au clavier de fête là. Ouais. On va pas se faire défaire, mais c'est correct. C'est des choses On qui a arrivent. tué. Ah oui. Bon, Onyx, en même temps, vous aussi pensez de votre bord quelle map que vous voulez ban? Vous avez 3 bans à 3 maps. Trois maps à ban. Ouais. Ok, parfait. Fait qu'on va retourner Game Chat puis on Je vais je vous termine donner avec les ça maps, après. ok? Ah oui. Canal, frontière, parc d'attraction, café, banque, littoral, Oregon, Ok, clubhouse. on va ban en Oregon. Ok. Banque, Banque, coastline. puis littoral, alright. Bon, ben il reste Clubhouse, Canal, Bonheur. Frontière, Parc d'attraction, puis Café. Ok, ben on va jouer sur Frontier. Non, mais vous bannissez trois maps. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il reste? Okay, il reste Canal, Frontière, Parc d'attraction, Café, puis Ok. Clubhouse. Ban Clubhouse. Ok. Parc d'attraction. Ok. Puis qu'est-ce qui est l'autre dernière canal a-t-il déjà Canal été ban? Border Café. Canal a pas été banni. Ok, ben ban canal. Bon, ben là ça va jouer Bien entre joué! frontière ou café. 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 Savez-vous quoi? Attendez, attendez. Attendez, attendez, change de wait. Ok. côté. On va faire un pile ou face, puis on va savoir qui commence, ok? Qui choisit la map? Ok, je suis pile. SL, vous êtes je pile? passe. Hey, loading, va t'en aller au bord. Bon, ouais, parfait. loading. SL, vous choisissez le pile. Si on fait un des deux kits, puis vous pourrez non, jouer. Non, 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 je peux non, faire non, le non. pile ou face, tu veux? Ah, ok, je bon, ben, SL, vous avez gagné, vous choisissez la map entre café. Café. Café, ok. Café. Parfait. Onyx, vous voulez commencer à l'attaque? Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On commence à l'attaque. Onyx, vous voulez commencer à la défense ou à l'attaque? Ready! Bon, ben, parfait. Bon, ben, tout le monde est correct. Oui. Bon, est-ce que tout le monde est comme prêt? ça. Ouais. Bon, ben, bonne chance.
Attends, je peux te dire de quoi la SL la, avant. Bonne chance, ouais. Mon Mathis. Bonne chance, bonne chance, vous allez nous défaire, mais c'est correct, on a essayé au moins. Ok, merci, bonne journée. Bonne game, boys. SL Onyx. Toi, ça va être toi, t'as un match là, sur café en plus. Oh là 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 là, t'as une map. Partagez live, guys, c'est le moment. SCL, Onyx, partagez, partagez. Salut à tout le monde, bonjour, bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi, joyeux Noël, bonne année, tout ce que vous voulez. On va dire aux gens que le live est commencé. Deux personnes sur live, bonsoir vous deux. Thatcher Montagne, ouf. Les gens ont peur de montagne. Lésion. Café qui est une map assez, comment dire, bizarre. Une map qui est dure à défendre, mais dure à l'attaque aussi. La Onyx, Onyx qui sont pas très très confiants de gagner, à ce qu'on peut voir. Un P3. Goal 3. P2. P2. Diamond. 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 Et Diamond. Une fois le Team Diamond. Ashtermite Nomad IQ Zofia. Ouais. Ça a l'air de vouloir jouer agressif du côté de la SCL. Ça change pas d'opérateur du côté de l'attaque. La défense, un fake Jagger pour un Jagger. Ça pourrait peut-être marcher. Désolé d'avance si mon jeu est en brésilien. Là. Nice throw. On dirait que le floor là. En haut déjà. La SCL. SCL qui est une très très bonne équipe. Une équipe surpuissante. Comme vous pouvez voir. On a les 5 joueurs là. Ça joue Echo du côté de la défense. Les Echo qui s'y joue objectif. Malheureusement. Pas survivre. On va aller voir le premier justement. YKIZ du côté de la SL. C'est la drone bake. On a peut-être déjà un premier fight qui s'en vient justement du côté de la bakery. Petit termite. La hache, Jagger. Le Jagger qui a peut-être l'information. Non, le Jagger qui a pas l'information comme vous pouvez voir. Allez voir un petit peu la hache. Ah, lag. Ça rappelle justement pour aller au cigare peut-être. Ouais, ça a dû vraiment l'air de jouer safe du côté de la SCL. TJ Nomad. L'information est passée du côté justement du termite, le deck qui doit battre en retraite justement s'il veut pas venir se faire backer. Le termite qui est in. On
On aura peut-être droit à un duel justement, le Termite. Il recueille Z contre Loading, le premier coup qui passe justement. IQ qui vont avoir besoin justement de l'info, de IQ pour. Je cherche le drone écho. IQ. Oh, le Yogi qui vient faire la frag sur la Zofia. Demande à l'info. IQ qui vient faire la frag sur le duck, IQ qui vient se faire rest par Termite. Nomad, allant sur le jab. Oh là là, c'est du 3v3, une minute à jouer. Ash qui vient faire la frag justement. Ash qui est très très lourd. Une pause, on va aller voir du côté du Maestro justement. Maestro, il a de la dette en fait. L'autre avec 50 de dash. Ouf! Le Termite qui avait la vie qui avait l'information aussi du 3v2 du côté de la SL. La SL qui ont l'avantage de date. Le plant qui passe du côté de la nomade. La nomade qui va tenter le plant. Il reste à Jager. Jager qui pourrait peut-être pas se faire la moins 3, on le sait pas. Jager qui essaie de garder l'info. La ligne, malheureusement. Il n'y a pas l'info. Ouf! Et la hache qui restait accroupie tout le long qui a gardé la ligne. J'ai jaloux. R.I.P. la game de curling. Ben la game de curling, elle se passe bien à date. C'est sûr qu'à date, il y a l'équipe bleue qui a l'air de l'emporter, qui ont bien balayé, qui ont bien lancé la pierre. À date, c'est eux autres qui ont l'avantage. Une belle manche remportée par la SCL. Ça va être une game de curling serrée ce soir peut-être, on ne sait pas. C'est une game, juste une game, pas un, deux, trois, c'est vraiment une game de curling. Va falloir que la Onyx balaye beaucoup ce soir s'ils veulent se rattraper. FGRX, SCL, 3, VPH. Y. Vous pouvez voir, ça retourne en haut encore à même place, ça retourne bord malheureusement, ça peut être très fatal encore du côté justement de la défense. Ça fera pas mal la même compétition du côté de l'attaque, la IQ, la nomade, le Termite, la hache. Sauf que là ça va sortir un petit bug. Votre avis sur la première manche, monsieur Ghost? Votre joueur préféré ce soir, faites vos paris. C'est un grand mot là, mais bon. Pas le spawn kill du côté de la défense. Ça lâche le défi. Ça joue pas le defuse. Ils vont vraiment oser pas jouer le defuse. Ah non, ils donnent le defuse à TJ. TJ qui va aller rembourser le defuse. Non, même pas Termite qui va venir rembourser le defuse. Il aurait pu vraiment autant bien ça. Ah, ici, on va aller voir un petit peu le gameplay du Pulse. Le Pulse qui a l'information, peut-être. Le duck qui se fait dodge. Le duck qui était très low. Il doit utiliser deux de ses steams. Le duck qui est down. Le duck qui va peut-être succomber justement à l'ennemi. Non, le duck qui utilise son dernier steam. Duck on back. Le Pulse, il y a l'information peut-être. Le Pulse peut lancer la C4. La C4 qui va peut-être passer du côté de Pulse. Peut-être que la C4 va passer du côté de Pulse. La C4 passera pas du côté de Pulse. C'est du 5 contre 3 du côté de la SL qui ont l'avantage. C'est du 4v3 encore. Le Pulse qui il entend pas le air jab. Il va peut-être se manger le air jab comme vous pouvez voir. Le Buck qui vient chercher la frag. Buck est in. Ça push vraiment agressivement du côté de la SL qui vont prendre à sandwich, ça tient dans tous les sens. La SL qui ont donné aucune pitié à l'ennemi vraiment, qui ont tenté un gros push. Et la hache qui vient chercher la frag sur le puce. La hache est toujours là à bonne place pour vrai que je vais lui. Elle est toujours là quand c'est le temps, puis il garde la ligne, puis il attend.
2-0 SL. On a le droit à toute une performance ce soir par FJRX SL, justement ce soir, qui a l'air d'être en feu, qui a l'air vraiment de, pour le moment, de dominer la game. Ça reste à voir, mais pour le moment, très bon jeu. Les SL qui ont l'air vraiment de pusher en équipe, que ça, vraiment, même si l'ennemi est tout seul, ça le push à 4, man, pour vrai, c'est un très bon jeu du coup, très bon jeu d'équipe du côté de la SL. Os atacantes descobriram a localização de uma bomba. Yo, Jeffrey, ça va bien? Quelqu'un qui se fait déjà hit. Oh, le petit spawn kill, peut-être la Valkyrie qui va se prendre la petite ligne. Si Valkyrie reste patiente, elle aurait pu peut-être faire la hache justement, ou la... Ça joue kitchen, ça breach déjà du côté de l'attaque. Ça joue agressif du côté de la SL, ça là. Le go social curling league SL. Oh my god. Le bug qui va faire la frag sur la Valkyrie. Je suis d'accord avec toi, la mouche, t'inquiète pas. Le Yeager qui vient justement, qui est en train de se manger des balles. Yeager qui est low contre la Zephyr, Zephyr contre Yeager. La hache qui vient se faire la frag. C'est du 5v3, du 5v1, du 5v2. GG SL, SL, une manche parfaite justement. FJRX qui est en feu ce soir, la hache pour vrai. Hache qui push, qui joue agressif. Good job à eux. Comme on pourrait dire, Social Curling League. Ça en avait des noms, ça, soyez. Faites du bruit, marquez Let's Go SL. Il y a pas grand monde. Ben non, il y a pas grand monde à soir. Ben là, c'est le moment justement de partager pis tout, là. Si vous voulez avoir plus de monde, partagez pis tout. C'est sûr qu'à soi, tu sais. Moi, on m'a dit, veux-tu caster un tournoi, ben, des games à dernière minute. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais pas prêt, là. Mais, let's go SL. Let's go Onyx. Onyx qui a l'air d'être une nouvelle équipe que je connais pas. Je viens juste de les découvrir, justement. Ou pas. Let's go mon TJ. Mon TJ Poutine. À 1000 à l'heure. Peut-être qu'il y a la SL qui pourrait mettre un gros 7-0. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Ah, justement, l'âge qui pourrait vraiment rusher. On va aller voir un petit peu du côté du Termite. Termite qu'on l'a pas bien vu ce soir. YKZ, DCL. Kali qui donne déjà quelqu'un, le Badi qui succombe à la Kali. Good job à la Kali, justement, Kali qui est... Oh, bataille.
moitié essayé et ça a pas passé. C'est toujours de 5v3, peut-être une autre manche parfaite du côté de la SL justement. Ah non, la Kali qui succombe face au Jagger, jugé à loading. On va aller voir un peu la nomade qui est TJ, TJ qui... V3, le Milkshake qui vient chercher justement la frag contre FGRX. Peut-être qu'elle a Nick justement a une chance justement de se rattraper pour ce manche là. Ouf, la nomade TJ qui a pas vu Jagger dans le back. Jagger qui vient backer TJ. C'est du 2v3 du côté de la Onyx. Onyx qui ont l'avantage pour le moment. Il reste 1 minute 25 à jouer. On va aller voir un petit peu du côté du Maestro. Le Maestro qui s'est pris une petite ligne. Termite va breach. Yeager qui est à moins de 50 HP comme vous pouvez voir, ça se prend des shooting. Le maître. Oh, le vigile qui est rendu à 25 HP. Greco IZ qui est tout seul en 1v3. Il peut se faire la moins 3, il peut se... Peut-être se faire la moins 3, c'est le moment de savoir. Maestro qui se couche comme une anguille électrique. L'information, hé! Hey. Oh, le Yeager qui succombe face à... YKZ qui l'a mis très très lourd malheureusement à moins de 25 HP. Il reste à 39 de jeu à rester malheureusement. Maestro qui avait une petite ligne. GG à Onyx qui remporte le premier point. GG à eux. Une défense très agressive. La SL malheureusement qui ont chaud. Pas grave, la SL peut se rattraper à tout moment. Darton Kitchen que malheureusement ils ont perdu parce qu'ils se sont fait rush par Ash. On va vous monter le scoreboard un petit peu. TJ qui est à 1 kill dans la fin, c'est le premier FGRX du côté de la Onyx, Milkshake et Getrek en dernier. On va aller voir un petit peu justement le smoke. Le smoke, on l'a pas vraiment vu jouer. Il faut win combien de rounds? C'est le premier qui a 7 rounds, Jeffrey. Le premier qui gagne, en fait, le premier qui gagne 7, c'est il remporte la game de ce soir. À moins qu'il aille en overtime, mais c'est le premier 7. Un petit peu du côté de Onyx, justement, le Milkshake. On a mal à TJ qui a l'air d'être en fight, justement. Oh là, c'est Fiat Zofien qui vient chercher le kill. Derrière, le IQ qui succombe face aux pompes de Smoke. Smoke qui se fait duck. Tomate, ils ont l'air justement. TJ qui vient se faire les kills contre la Valkyrie. Good job à TJ.
Ah non, face au Jagger, ma bad. H. Ça fait mal de toute essence, ça fait des breaches. TJ qui se compte face au bandit, c'est du 3v3, 1 minute 25. Termite qui vient mettre ça en 3v2. Les deux qui sont à très low HP. La hache, hache qui vient chercher la belle petite tête qui passe. Ils veulent jouer contre le bandit, mais malheureusement ça va être là. Termite qui va aller chercher la frag sur le bandit. GG à Termite. GG à YKIZ. Et c'est 4 à 1 pour la STL. Termite. IQ, Twitch, Nomad encore, TJ qui a l'air de bien aimer Nomad, FGRX aussi. En fait, elle joue les mêmes persos, à part VPHY qui change un petit peu. Du côté de la Diff, ça joue Cade, Duck, Smoke, Vigil et Valkyrie. Zardy Finn en bas. Comme vous pouvez voir. C'est un monstre à soir. Il est déjà 4 à 1, la game avance très très vite. Est-ce que les SL vont pouvoir maintenir leur avance justement ou ils peuvent se faire un comeback? Est-ce qu'un comeback est toujours possible? Mon dieu. Le smoke fait une crise d'épilepsie, c'est quoi? Smoke a l'air d'avoir une très grosse sensi. Oh, c'est le one tap. Oh, le one tap. Et le one tap passera pas du côté de Smoke qui se fait faire. Ah, je fais par E-Skin. Ça va être 4v5. Déjà en début de manche, c'est très très. Ça a été très très tôt le Smoke de push, malheureusement. Ouais, ça hache de toutes les sens. Ça pète. Vous pouvez voir le vigile, peut-être qu'il va pouvoir venir les surprendre. Du côté du vigile justement. Comme vous pouvez voir, vigile qui garde une ligne. Est-ce qu'il vient IQ qui vient se faire la frag contre la Kayn. TJ qui vient se faire la frag contre le vigile. Good job à TJ. Derrière. Ah, ils ont. Oh, la Valkyrie qui est low. La SL qui push en 2. La H qui vient chercher la frag encore. J'ai FGRX, ça a touché à deux, malheureusement la bête qui pouvait rien faire. 5-1 SL. Check pour les MN. FGRX qui switch Jagger pour Jagger, Doug va être kické seul Frost du côté de l'attaque, Termite, Twitch, Buck, Nomad, Ibana. Ça peut faire mal justement du côté de la SL parce que la SL déjà là ça joue agressif à l'attaque, imaginez à la défense. Défenseurs, évitez que les attaquants désactivent leurs bombes. Caméra ativada et apostas. Preparado.
Le club de curling, comment allez-vous? Et faites du bruit! Ouais, le club de curling, en fait, en ce moment, c'est les pierres bleues, ils ont l'air de gagner. Ça balaye fort du côté des bleus, malheureusement, les oranges ont l'air d'avoir un peu de misère à balayer. Ça joue très très fort en équipe du côté de la SL. Comme vous pouvez voir, la SL. Oh! Peut-être le petit Renault qui va tenter. Ça joue sur le toit. Allez, on va aller voir le bec. Oh, Frost, Pipus qui vient faire les frags sur Twitch, Peter Mike. Oh, le renard de Frost va peut-être se faire la frag justement. Non, malheureusement il y a trop joué, le bug vient se faire la frag justement. Ah bug. Ouais, comme de Kevin, comme tu peux voir. On va aller voir un petit peu du côté de la SCL. Il y a l'air d'avoir des suspicions des Minky, malheureusement. Oh! Oh, Jagger! Jagger qui fait le drop shot qui part du côté des Jagger contre la Nomade. Good job à FGRX. Qui a surpris la Nomade. Justement, Jagger qui vient se faire duck, il veut cousin. Balayage, mon ami. Seulement, là c'est du 4v1, il reste seulement 35 secondes de jeu à restant. Buck qui est sur le toit. Buck peut-être va venir vouloir se faire une drague. Il va peut-être mettre une tête. Il va passer du côté de la SL. Buck il se mange des balles. Buck est lourd. On va aller voir du côté de Castle. Comment qu'il va, mon commentateur de curling préféré? Ben, il va bien, il aime bien commenter le curling, comme tu peux voir, tu sais. En ce moment, Jarix qui vient se faire un autre kit qui vient de balayer encore. Un très beau balayage, un beau placement de la. Good job à Jarix. Malheureusement, son teabag, c'était pas le meilleur. Tu m'as dead avec ton balayé. Mon balayé, man. Ton balayé rouge. Ouais, 6-1 SL. Il y a l'air d'avoir. J'ai entendu des échos, pis tout. On me dit qu'il y a des suspicions d'Aminki au bord du côté de la SL. J'aime bien tes jeux de mots avec le curling. Bon, ben merci, hein. Ça a été tout un balayage du côté de l'autre équipe. Malheureusement, les pierres bleues, ils ont l'air d'avoir l'avantage. Qui gagne 6-1, la pierre bleue FGRX qui l'emporte avec 12-1 qui est le MVP. Lala. Il y a Drex Sonic qui a l'air d'être sur le donut. Il faudrait qu'il sorte un petit peu du donut. Parce que sinon il va se faire balayer de la map. Je vais demander au cœur Scotty s'il veut nous commenter. C'est drôle. Oh, le drone qui pose du côté justement de l'attaque. Peut-être une remontada. Peut-être un balayage du côté d'Onyx qui pourrait se rattraper. Ou comme les Saguenayens diraient, du balayage. Oh! La petite thing.
vais aller voir du côté de... C'est le plus gros tournoi de curling. Ouais, en plein ça, FGR qui vient chercher de la frappe contre la IQ. FGR, comme j'ai répété plusieurs fois, il est en feu à soir, man. D'après moi, quelqu'un lui a donné du Gatorade pour balayer ce soir. FGR qui vient se faire balayer par l'Aibana. L'Aibana a donné un beau coup de balai, malheureusement. Bandit, TJ, TJ qui vient se faire la frag contre Milkshake. C'est du 4v3 du côté de la CL, il reste 2 minutes de jeu. Ibana, Ibana qui vient peut-être chercher la frag contre Indrekoizen. Vesti contre Indrekoizen. Les flashs qui passent du côté. Et les frags n'auront pas passé, ça va être du 3v2 du côté de la CL. Un très beau balayement du côté du doc. 3v2, tout de suite 3v1, TJ qui vient se faire contre Getrekt Onyx. Onyx qui va avoir fini la soirée sur le donut. Oh, YKZ qui vient chercher la dernière manche pour son équipe. GG à l'SL, ils ont très bien balayé ce soir, ils ont bu beaucoup de Gatorade, GG. Bon ben merci d'avoir été sur live, ça a été vite fait, bien fait. Un tout loup d'un coup, comme on pourrait dire au mini-pot. Nous sommes présentement en plein tournoi de curling avec les deux équipes. Of the world, it's me. Hey les boys, GG. Hey les boys, quelqu'un est venu m'écrire sur la live, c'est le meilleur tournoi de curling. Ah ben ça, je sais c'est qui. Moi aussi, je sais qui. Y'a-t-il un deuxième match? Non. Ok, l'apéro c'est fini déjà? Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Pas de chien. Bon. Yes, oui, Sacha. Bon, ben écoutez, je vais fermer le live deux secondes, je vais parler aux deux équipes.